pays où vous allez vous trouver actuellement. Comme hier, ça fait déjà quelques moments, j'avais fait une dernière vidéo pour dire que j'étais aux États-Unis et j'avais lancé un appel aux frères qui sont aux États-Unis de venir par rapport au verbe. Et l'invitation a été acceptée. Il y a des frères qui vivent aux États-Unis qui sont là, on se rencontre aujourd'hui. Désolé peut-être pour la musique que vous entendez derrière, mais on est devant fast-food, ainsi de suite. Donc les frères, comme je dis, sont aux États-Unis et là on va partager la parole. Donc à tous les autres frères qui sont dans d'autres états, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Le message ne fait que se propager et l'on va se glorifier toujours encore. Et voilà, moi c'est Ben Touré, je viens du Burkina Faso. Je suis étudiant aux États-Unis, et j'ai vu les vidéos du frère. Ça m'a beaucoup marqué au fait, donc j'ai voulu le rencontrer personnellement. Et eux, c'est mes amis, vont se présenter aussi. Moi, c'est Christian Ouité, je viens du Cameroun et du Burkina Faso. Je suis étudiant ici à Berlin. Ah, moi, c'est Thierry Franck, je viens de la Côte d'Ivoire, étudiant ici aussi à Atlanta. Et ce sont mes amis qui sont là aussi. Moi, c'est Papi Touré, de vrai nom Sekou Abdou Moutalib Touré, d'origine guinéenne. Je suis né au Burkina Faso et j'étais musulman, mais après je suis devenu chrétien. Mais je savais que je cherchais toujours la vérité, j'aime la vérité. Donc, pour ça, je suis tombé sur les vidéos du grand frère. Donc, ça, c'est mon frère Benedict Touré, mon ami Chris et mon ami Thierry. On s'est rencontrés à l'école. Donc, vraiment, c'est la vérité que moi je veux. Donc, c'est pour ça que je suis là. On veut la vérité. Comme vous avez dû entendre, les frères veulent la vérité et la vérité est en face de vous. Parce qu'il est dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc la diaspora africaine est, ils vivent aux États-Unis et la parole ne fait que se propager de plus en plus. Donc comme j'ai dit précédemment, l'Obassé est encore glorifié. Et ne baissez pas les bras, tenez bon, la marche, le fait qu'on ira aussi en Afrique. Pour tous les frères et ceux qui sont en Afrique qui disent, mais tout le temps on va peut-être en Europe, on est en Occident, pourquoi on ne descend pas en Afrique? Ne vous inquiétez pas, on va bientôt arriver en Afrique, on va organiser des grandes choses en Afrique, ne vous inquiétez pas. Donc voilà.